Je ne sens plus le froid, à condition de ne pas remuer un muscle. Alors, j'oublie mon corps endormi sous le sable. Je ne bougerai plus. Et ainsi, je ne souffrirai plus jamais. D'ailleurs, véritablement, l'on souffre si peu. Il y a, derrière tous ces tourments, l'orchestration de la fatigue et du délire. Et tout se change en livre d'images, en conte de fées un peu cruel. Après 3 jours de marche, jusqu'au bout de leurs forces, lui et son mécanicien sont retrouvés par des caravaniers. Leur sauvetage est un grand événement. Antoine devient Saint-Exupéry, une légende vivante. À cet homme qui semble indestructible, il ne reste pourtant plus que 9 ans d'existence. Il retrouve le désert à l'automne 36, au Maroc, où se tourne Courrier Sud, dont il a écrit l'adaptation cinématographique. Ces images de lui sur le tournage sont inédites. Malheureusement, même les héros, décidément, sont mortels. Cette fois, c'est Mermoz, un as pourtant, victime de son audace. En vol au-dessus de l'Atlantique, il annonce « coupon moteur arrière droit ». Antoine sait ce qu'un tel message présage.